Ma femme me dit que je suis totalement obsédé. Enfin, les juifs, je veux dire. Que je pense qu'à ça, que je parle que de ça. On ne peut plus en parler de façon. La France est littéralement en veille. Oui, les juifs sont partout. Tu savais, toi, qu'il y avait des juifs en Chine? Alors, même là-bas. Et ils chantent, en plus, c'est con. En chinois? Non, en hébreu. Avec un accent chinois. Je vous pose la question. C'est quoi être juif? Oh merde. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est un juif. Être juif, c'est transmettre. Ça se transmet. Comme une maladie. Si on était juif, on serait pas ici. Les juifs, ils sont riches. Il est envoûté ou quoi? Vas-y, on t'avait dit de faire polytechnique. Mais là, on n'est pas juif. Tu vois bien? Une mère juive, ça écoute son fils, ça comprend son fils. J'ai épousé le seul juif qui a pas une thune. T'es l'exception. Oh, je pourrais devenir riche, maintenant que je suis juif. Faut voir par là, mais moi je poursuis décréter demain que je suis noir. Qu'est-ce qu'on aurait fait de mal? Vous êtes lâche. Moi je veux pas être juif si c'est que pour le pire. J'arrête. Qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qu'il se croit qu'il est dans le métro ou quoi? Viens ici, tout de suite. Comment? Le monde nous en veut depuis que nous avons été accusés d'avoir tué Jésus. C'est là le début de tous nos problèmes. Vous faites une grossière erreur, là, hein? Grossière! J'essaie de comprendre. C'est un piège. Quoi qu'on ait fait, je m'excuse. Je suis juif, je suis désolé, je m'excuse. Voilà, mea culpa. Et vous me disiez que votre femme pense que vous êtes obsédé. Elle a un problème.